L'été sera chaud, l'été sera chaud. De la Côte d'Azur à Saint-Malo. Ouais, comment ça va les amis? Oh là là, il fait chaud, il fait chaud, il fait vraiment très très chaud. Ouais, mais il faut quand même travailler un petit peu les amis. Il faut quand même travailler un petit peu parce qu'il faut toujours prévoir. Ah ouais, ouais, c'est pas tout ça de manger des belles tomates et de manger de la bonne tomate. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Snoopy? Mais qu'est-ce qui se passe, Snoopy? Bah ouais, mais là, c'est l'épaule, tu peux pas venir. Tu peux pas venir, c'est l'épaule, là. Parce qu'après, tu t'es pas sage avec l'épaule. Tu joues, c'est pas des jouets, les poules, hein. C'est pas des jouets, les poules, hein, Snoopy. Bah non, c'est pas des jouets. Non, je viendrai tout à l'heure, ouais. Tu peux pas, là, c'est l'épaule, là. Après, tu vas jouer avec, et puis tu vas leur faire mal. Alors, tu restes là. Non, non, j'arrive. T'as de la place, là, pour jouer. Alors, les amis, est-ce que ça vous dirait... Ouais, 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 est-ce que ça vous dirait... On va récolter un petit peu de graines de cœur de bœuf Riff Red. Ouais, ouais, cœur de bœuf Riff Red. Donc, c'est une variété pure. Donc, on peut récolter les graines. Alors, comment je vais faire? Bah, d'une façon très simple. Il y en a qui vont faire ça directement avec sur le sopalin. Ça va coller un petit peu au sopalin, mais c'est pas grave, ça marchera quand même. Ou alors, vous faites comme moi, vous les mettez dans un bol avec un petit peu d'eau, voilà, et on attend quelques jours, et ensuite on les passera dans un petit tamis, et là, vous les mettrez à sécher, et là, vous aurez plus le glaire autour de vos graines. Voilà, en laissant reposer quelques jours, vous n'avez plus le glaire. Alors, allez, c'est parti les amis, c'est parti mon kiki. Alors, bah, et les oies, hein, Jean-Michel Jarre et Gertrude, et puis ils vont jamais à l'eau, alors qu'ils peuvent aller à l'eau, mais ils vont jamais à l'eau, hein. Alors, mais ils s'en vont, là, ils s'en vont. Ah ouais, restez à l'ombre, là, c'est mieux, c'est mieux. Et voilà, je commence ma vidéo. Gertrude, Gertrude, ça y est, Gertrude, elle se met à canter un petit peu là, hein, comme moi là. Alors l'été sera super chaud, hein. Oh là là, de la Côte d'Azur à Saint-Malo ça donne, hein. Et dans le nord où il pleut soi-disant toujours. Alors soi-disant dans le nord il pleut toujours, bah non il pleut pas toujours. Ça va faire 3 mois qu'il n'y a pas eu de flotte, dur, 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 dur. Les amis. Alors, bon, un petit peu d'humour, c'est sympa, ça nous remonte le moral. Bon, le moral, ça va, il est bon. Il est bon, en tout cas, ceux qui n'ont pas le moral, j'essaye de vous remonter un petit peu le moral. Alors, un petit bol d'eau, voilà, et puis une tomate mangée par le peu de limaces qu'il y a dans la serre, hein, qui se font un plaisir, ou alors, ça, c'est un beau merle qui a décidé de la manger, bah, il a bien raison, ici il a soif, il a... et donc on va récupérer un petit peu les graines, là, alors moi je le fends en 4, je le fends en 4, et puis vous voyez, je vais récupérer les graines qui sont là, tout simplement, voilà, hop, bah, vous faites le tour de votre tomate, là, dans la partie où il y a les graines. Est-ce que je peux vous faire voir? Alors, dans les cœurs de bœuf, alors c'est cœur de bœuf Riff Red. Je vais essayer de vous faire voir un petit peu plus près. Je vais essayer de le mettre en pause si j'y arrive. Allez, c'est parti, c'est un petit peu plus près. Et donc, vous voyez, je coupe. Là. Et là, on va chercher le peu. Alors, dans les cœurs de bœuf, vous avez vu, il n'y a pas grand-chose. Bah de manière, vous la, là, vous le mettrez dans le coulis, mais là, bon, comme il y a les merles qui ont vraiment bien tapé dedans, alors je vais faire le tour. Dans les cœurs de bœuf, il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors, petite explication, les amis. Petite explication. Le fait de mettre ça dans l'eau, ça vous permet que, vous voyez, vous avez du glaire. Vous avez du glaire autour de vos graines. Bah vous laissez ça 3-4 jours, même s'il y a un petit voile de fermentation, c'est pas grave. Et tout ce fameux glaire que vous avez, regardez, voilà, je vais essayer d'en faire voir tout au moins une. Autour de votre graine de tomate, vous avez toujours un peu de glaire. Et bah le fait de le mettre dans l'eau, et bien ça va partir tout seul. Et ensuite après, il faut compter 4 jours, et ensuite après, tout simplement,
vous le passez au petit ami, n'importe quoi, un truc très fin, là, et vous allez voir que vos graines seront impeccables. Il suffit simplement de les mettre séchées, et là, sur un sopalin, et en plus, là, elles vont presque pas coller. Voilà, j'ai encore celle-ci. Alors, vous voyez, dans une cuillère de bœuf, il y a peut-être 30 graines, il n'y en a pas des masses, hein. C'est les cœurs de bœuf, il n'y a jamais beaucoup de graines. Voilà les amis, encore un petit peu de graines là, il y en a deux là. Donc on va les récupérer soigneusement. Voilà, tandis que les tomates hybrides, méfiez-vous, c'est toujours un mélange de deux sortes de tomates. Donc vous risquez en faisant des graines d'avoir soit l'une, soit l'autre, et d'avoir une modification, hein. Voilà, ça c'est pour la petite histoire des hybrides. Il faut toujours se méfier des hybrides. Vous avez des variétés pures, comme une variété fort connue, la Marmande, variété pure. Là, vous pouvez récupérer les graines. Voilà, ou les tomates anciennes. Voilà les amis. Bon, bah les amis, je vous laisse. En tout cas, l'été sera chaud, l'été sera chaud. De la Côte d'Azur à Saint-Malo, on va se souvenir de cet été, hein. 20 ans, hein. 3 mois sans flotte, incroyable. Allez, je vous souhaite une super bonne soirée, et je vous envoie plein de bonheur et plein de joie. Allez, et faites vos graines de tomates sur les variétés pures. À bientôt. Bon, bah, je vais remettre ma capio, parce que j'ai pu un poil sur le caillou. Allez, à bientôt, salut les amis. Allez, bon courage à tous. L'avantage, c'est que les haricots verts, ils lèvent super vite quand il y a de la chaleur. Allez, bye bye.